23h35, nos trois chaînes de télévision et nos trois chaînes radio réunies pour cet événement exceptionnel qui est le Festival de Jazz de Montreux. Nous vivons une époque décidément formidable, aussi formidable au moins que ce Napa Summit qui marque l'ouverture de ce 17e Festival de Jazz de Montreux. Bonsoir à tous. Sur la scène du casino en ce moment, Tony Esposito et la Banda del Sol qui viennent d'achever un solo de percussion à trois. Tony Esposito, percussionniste bien connu en Italie, qui joue sur divers instruments, pas tellement ce soir, mais il a l'habitude de jouer sur des instruments culinaires également, des poils à frire. Roberto Cisconietti à la batterie et Sergio Quarta aux percussions. On attend le rappel de ce groupe assez extraordinaire qui marque en tout cas cette soirée du Festival du Jazz de Montreux, avant le dessert, l'arrivée de Pino Daniele, et le fameux Pino Daniele qui mettra une conclusion à cette première soirée du 17e Festival de Jazz de Montreux. Nous attendons donc le rappel de Tony Esposito et la Banda del Sol. Je ne sais pas s'ils vont venir, le public a l'air relativement timide. S'il n'y a pas de rappel, nous verrons Tullio De Piscopo. C'est un groupe qui est passé aux alentours de 9h30 sur la scène du casino. Si le public se manifeste de nouveau, nous allons attendre très patiemment, ainsi que le public très sage ce soir, le retour de Tony Esposito et la Banda del Sol sur la scène du casino. Les musiciens, je vous les signale en passant, Elgar Paoli qui chante et qui est au clavier, Elia Rossa au saxophone, Massimo Volpe au clavier, Franco Sansone à la guitare, Massimo Cecchetti à la batterie, et deux percussionnistes que je vous ai signalé tout à l'heure. Et un invité exceptionnel, je ne sais pas s'il reparaîtra sur ce rappel, il s'agit de Brian Auger au clavier. Thank you.
une soirée pleine de soleil avec ce Napo Summit, et sur la scène du Capitole, ça se passe en direct, le Tony Esposito.